Il y a dangereux, il y a dangereux. Si tu as choisi d'épouser un bel homme comme dit Kassoné, ma soeur, c'est ton pied, mon pied. Il monte, tu montes. Il descend, tu descends. Ne te laisse pas faire, ma soeur, je suis derrière toi. En retour, mon frère Soné, le choix de la résidence t'appartient. Personne ne peut te l'enlever, même le maire que je suis, c'est la loi. Mais le conseil du maire au mari, parce que le maire devient l'ami des maris. Pourquoi on n'ait pas de problème à l'article 215, je te conseillerais de consulter madame pour qu'ensemble vous choisissez votre résidence. Tu peux me promettre cela? Merci, Dika. Applaudissez pour lui. Hein? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, devant nous tous, le couple vient d'accepter tous les articles de loi qui régissent le mariage. Ça me donne force de recevoir leur consentement. J'invite monsieur et madame à se lever pour que je reçoive leur consentement. Et vos anneaux, s'il vous plaît. Vous allez vous regarder face à face. Les yeux. Bravo. Bon, les yeux. Dans les yeux. Dans les yeux. Hein, je ne t'ai pas rien là. Hein? Les yeux dans les yeux. Hein? On va commencer par monsieur. Monsieur Sonédica Gustave Jacques, consentez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Niembe Alice Daniel ici présente? Si tel est votre vœu, dites à haute et intelligible voix, oui, je le consens. Oui, je le consens. Mademoiselle Niembe Alice Daniel, consentez-vous de prendre pour époux Monsieur Sonédica Gustave Jacques ici présent, le chéri, juste à ce que mort vous sépare. Si tel est votre vœu, dites à haute et intelligible voix, oui, je le constate. Monsieur le maire, avant toute chose, j'aimerais dire un petit mot. Oui, allez-y. Je vais dire à tout le monde ici pour savoir que Sonédica et moi, ça fait pratiquement 14 ans qu'on s'est ensemble. On a connu les hauts et les bas, comme les couples qu'on a pu surmonter. Mais depuis 2 ans, Sonédica et moi, on traverse une zone de turbulence très très forte ensemble. On n'arrive pas à surmonter. Et Sonédica ici pour ça a fait un choix de vie. Et moi, mademoiselle Yen, je souhaite que M. Sonédica continue dans son choix de vie. C'est-à-dire que je ne veux pas l'épouser.